Bonjour, bienvenue à cette rencontre du jeudi matin pour le réveil musculaire avec le centre social. Donc comme d'habitude, on prend un tapis, une bouteille d'eau, on est parti pour du cardio, après renfort musculaire, donc on est tous ensemble pour se maintenir en forme dans ce temps un petit peu compliqué en espérant vite se retrouver en présentiel et on continue en vidéo. Allez, je vais mettre la musique, on fait la place, on prévient les voisins. Allez, on enroule. Encore. I can't wait. I will never win this game without you, without you, without you. Thank you.
on respire. On boit un tout petit coup, pas trop. Non. On va continuer. Ouh. Oui. Allez. C'est parti. Step touch. Thank you.
Thank you.
On respire bien, on descend et un.
8. On relève. Ça pivote les cuisses, hein. Marchez, détendez. Même exercice, cette fois on bloque en bas et on va reculer. Je montre, on descend et en arrière, en avant. En arrière, en avant. OK? Respirez bien. Largeur. On bloque en bas. Et arrière, avant. On peut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Relève. Respire bien. Ça va. On détend les jambes. 9h et 15 minutes. On écarte au maximum le dos droit. On va descendre tout droit, tout droit, tout droit. Je monte sur le côté. Là, je descends tout droit. OK, mon dos est droit, je gagne le ventre. On bloque, on va, et là on lève droite, gauche, droite, gauche. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, même pas mal, 6, 7, 8, je bloque. Et là, les deux en même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose, je remonte, on détend les jambes, on va boire un petit coup, hydratez-vous bien. Allez, le dernier pour les mollets. Hop. Je vais mettre de biais pour qu'on me voit bien. Donc, je gagne bien le ventre. Le dos est maintenu. Mais en fait, je vais imaginer être sur des talons. Donc, je pousse et je change. Faites pas ça comme ça. Hein. D'accord? Il faut bien remonter. On est vraiment sur des talons à, je dirais, 15-20 cm. Là. OK? Donc, on est en haut. Et on pousse. On pousse, on peut s'aider des mains. Hein. Et de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les deux en même temps, je monte, 1, 2, je monte bien haut, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque en l'air.
En étant bloqué en l'air, on fait 4 pas devant, 3, 4, et on revient à la place. 3, 4, devant. 1, 2, 3, 4. Derrière. 1, 2, 3, 4. Côté. 1 et 2. Et 3 et 4. 1 et 2. Et 3 et 4. Et là, je reprends des grands. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, là, les mollets, vous les sentez, hein? 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. On prend tapis, bouteille de la côté de soi. Ah, mince.
Ça va, mesdames? Oui. Ça va. Je regarde juste là parce que ma montre s'est arrêtée. D'accord, il est 38, ok. Et donc, ça me pousse toute ma séance. Allez, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, bien sûr, si on a mal aux genoux pour les fessiers, on peut se mettre sur le côté. Hein. Allez, on tend la jambe. Donc là, moi, c'est la jambe gauche. Et on monte et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pense au bloc. Là, en étant en hauteur, je vais aller sur le côté comme un essuie-glace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je tends, je bloque. Là, même exercice, essuie-glace, mais je vais aller plus loin. Je vais essayer d'amener mes jambes vers mes bras. Tendu. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque à côté. Et je pose. On change de côté. Hop. Donc, hein, toujours, hein, si ça va mal au genou, on se met sur le côté à 90 degrés, hein, d'accord? Allez, je tends la jambe droite et je monte et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Petit essuie-glace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Et là, on va partir pour grand et qui se place avec la jambe qui va vers le bras. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque et je pose. Je souffle. Je fais un petit coup. Oh là là. On respire bien, on respire bien.
On va faire la taille. On s'allonge droit, droit comme un i. Il faut vraiment que le bassin soit vers l'avant. Au risque que vous puissiez tomber, quitte à mettre la main devant. Si vous êtes en arrière comme ça, vous n'allez pas travailler la taille, vous allez travailler encore les fessiers. Là, je suis droite, droite comme un i, les pieds sont flex, ma main est en avant. Et là, je monte et je descends. Un, deux, trois, je peux m'allonger totalement. Hein. Quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je bloque. Normalement, vous sentez là. Toujours la petite main en avant et là, je fais des cercles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je tends, je bloque. On respire bien, on respire bien. Les cercles dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je tends, je bloque. Allez, les petits derniers, on monte, on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, encore, et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je pose. Oh, okay. On respire bien, on respire bien. On change de côté. Pareil, on s'allonge totalement, totalement. Droit comme un i. Ou un point d'exclamation, comme vous voulez. Mais il faut être vraiment droit, le bassin vers l'avant, pas vers l'arrière. Et je mets ma main parce que si je pouvais basculer vers l'avant. Et là, on monte et descend. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, je bloque. Des petits cercles. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je prends le bloc. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je tends, je bloque. Et les petits derniers, on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. On voit un petit coup. Hydratez bien, hydratez bien. On va finir par les abdos, gainage et après la détente. Oh.
Aïe, 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 aïe. Allez, on va commencer par le gainage. Donc, je rappelle le gainage, on est soit sur les bras, d'accord ? Prolongement des épaules, soit sur les coudes. Ok ? Attention. On met les mains. Les pointes de pied, on pousse. Et c'est parti, on gaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose. On respire. Là, on a fait 2 fois 8, on va faire 3 fois 8. Et je vous laisse calculer combien ça fait. Attention, on est parti. Je pousse bien, je serre bien le ventre. Je gaine bien. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les derniers. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose. Oh. Hop. Allez, on va finir par les abdos. Donc, deux solutions. Talons dans le sol, juste pour garder l'équilibre. Je tiens bien mon dos, je descends et je remonte. Ok ? Donc ça, c'est première solution. Deuxième solution, de toute façon, le dos est toujours maintenu. Je suis en équilibre et je rame. D'accord ? Ce qui est important, c'est de garder son dos droit et bien serrer les abdos. Après, même si vous mettez le talon dans le sol, le talon, il sert juste à vous tenir en équilibre. Donc, il faut croiser les bras, monter et descendre. Vous allez sentir les abdos de toute façon. On respire, on fait attention à notre respiration et on fait attention à notre dos. On n'est pas plié parce que là, vous allez vous faire mal. D'accord ? On est forte dans ces positions. Et fort pour ceux qui nous regardent. Là, moi, je m'adresse à vous, les filles. Vous êtes fortes dans vos positions. Donc, aucun non plus. Gainage. Hop, et on rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. On respire bien, on respire bien. Prochain exercice, pareil, talons sur le sol. Dos dans le pouce, je vais twister. Ou en équilibre, je twist. Là où je suis plus à l'aise. Toujours le dos bien maintenu. Attention, on est parti. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pose. C'est bien. On vient s'allonger totalement. Main sur la cambrure. C'est pour. On va tendre les jambes. Donc vous pouvez les mettre les mains soit dans des fesses, soit dans la cambrure, soit au début des fesses. En fait, c'est pour combler le creux et que ça ne vous fasse pas mal au dos. D'accord ? Quand je vais tendre, je rentre bien mon ventre. Comme si le nombril voulait être attiré dans le sol. Ok, je rentre mon ventre, je serre bien.
Je respire, je tétanise pas. D'accord? Donc, on est parti. Et je tends et je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Premier. On va faire la même chose, les jambes tendues, et on va faire des ciseaux. Attention, je me remets en place. Je tends et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose. Allez, on s'allonge totalement. C'est la détente. Allez. On se grandit comme si quelqu'un nous tirait par les bras. On vient attraper la jambe gauche, on serre le genou gauche. Dans le souffle, je viens tendre la jambe. Alors, selon sa souplesse, j'attrape derrière la cuisse, derrière le mollet, derrière la cheville. Mais on fait dans le souffle. Hein. Moi, je ne suis pas très souple, comme vous voyez, mais ce n'est pas grave. Par contre, on n'arrache pas la jambe. Hein. On fait ça dans le souffle, la tête est posée. Hein. S'il faut tenir la pointe du pied, je tiens la pointe du pied. Normalement, vous, tendez, vous sentez derrière, ça tire. On raccompagne tout doucement la jambe. Et on fait pareil de jambe droite. On serre d'abord contre soi. Et on tend au-dessus de la tête. Et là, genoux sur le ventre, on descend d'un côté, la tête regarde de l'autre et les bras sont montés. Les omoplates sont au sol. La jambe qui était au sol.
Main gauche dans le petit trou. On pose, on décroise, on vient se mettre sur le côté tranquillement pour remonter. On allonge doucement, prenez votre temps, on vient se mettre à quatre pattes. On écarte un petit peu pour venir s'asseoir le plus bas possible et on tire les bras le plus loin possible. On revient à quatre pattes, jambe droite par-dessus jambe gauche, et on se laisse glisser le plus loin possible. On revient à quatre pattes, pareil sur les gauches, on lâche par-dessus la jambe droite. On change de côté. On relâche. Pied contre pied. Le dos bien droit, on va prendre au maximum. Et on relâche. La semaine prochaine, je vous proposerai, certains connaissent déjà, mais je vous proposerai un cours assis sur la chaise. Pour les personnes qui sont blessées, pour les femmes enceintes, mais pour tout le monde, vous allez voir la différence. Donc, la semaine prochaine, un petit peu de place, une chaise assez solide. Et comme ça, on fait un cours, vous allez voir la différence, mais vous allez voir que ça travaille aussi. En tout cas, je vous remercie. À jeudi prochain. Bravo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.